Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons un invité très intéressant, Sergei Khazanov, Serge Khazanov. Il naît à Moscou et est écrivain, poète et journaliste. Il vit en Suisse depuis 1989. Après ses études à l'Université de Moscou, il se lance dans l'écriture. Et publier des romans, des pièces de théâtre et des centaines de poèmes et d'articles dans diverses publications russes, notamment le journal satirique Crocodile, très très connu, très connu. Il y a 30 ans, Serge s'exile à Suisse où il obtient Cécile Politique, et publié en français le livre Lettres russes. J'ai lu ce livre, c'est très intéressant. Il s'inspire des lettres persanes de Montesquieu. Et autre livre que je lis en déchéance, c'est à propos de son enfance et son vie, très intéressant aussi. Et aujourd'hui, nous devons discuter quelques thèmes. Si vous voulez, la première question, quel rôle la créativité littéraire jouait-elle dans votre vie, Serge? J'étais toujours passionné par la littérature. J'ai eu le grand bonheur d'avoir de très bons profs de littérature à l'école en soviétique. J'étais très passionné. Une des raisons était que j'ai eu une enfance assez difficile, souvent battue par mes camarades pour deux raisons. Parce que j'étais pas, quand j'étais Moi aussi, moi aussi. voilà. Parce que j'étais d'abord pas très sportif, hein, gros, et juif. Donc, il avait deux raisons. Donc, c'est-à-dire, j'ai dû vraiment chercher un refuge quelque part. Mon refuge, c'était la littérature. Et donc, très souvent, après avoir été battu, je m'enfermais dans ma chambre et j'écrivais des essais, des feuilletons ou des poèmes contre mes ennemis. Donc, dans quelque sens, je vengeais. Voilà. J'ai toujours été passionné et j'étais quand j'étais à l'école et j'étais en train de terminer l'école, choisir ma voie, je rêvais toujours aller étudier littérature. Mais mon père m'a dit que clairement, avec études de littérature, la seule perspective que j'aurais, c'est enseigner le russe. Ce n'était pas très drôle. Il dit qu'obtient quelque chose de réaliste et écrit en parallèle. Heureusement, j'étais assez doué pour mathématiques. Donc, on m'a pris à la faculté de mathématiques, Mermat, de l'Institut de Lomonossov. Oui, mais en parallèle, puisque je parlais anglais depuis l'enfance, j'étudiais aussi la traduction. Donc, je faisais deux sortes d'études et un peu de littérature comparée. Voilà. Et déjà quand j'étudiais à l'Université de Moscou, j'ai commencé à publier mes vers par hasard. Ils sont trouvés dans un bon endroit, une bonne place, et je commençais à publier. J'ose raconter comment ma première publication est venue. Une fois, je me suis promené, oui, draguer une fille, c'est au centre de Moscou, c'est le boulevard. Et il avait un stand avec des journaux, et cette fille a dit: Oh, regarde, il y a un petit article écrit par mon ex-copain. J'étais extrêmement jaloux, j'ai lu cet article, j'ai dit: Excuse-moi, s'il te plaît, je peux écrire beaucoup mieux. Et elle a rigolé, elle a dit: Oh là là, bavard, n'importe quoi. Donc, je suis allé chez moi. Pendant une nuit, j'ai composé quelque chose. Après, je suis allé dans le journal Literaturna Gazeta. Et par hasard, ils ont bien aimé. Ils ont publié
cet article. Donc, et évidemment, j'ai conquis le cœur de cette fille par cet article, parce que publication de la Literatura de Gazeta, c'était assez prestigieux à l'époque. Voilà. Et depuis, j'ai commencé à être publié là-bas. Donc, en parallèle, je faisais toujours deux carrières à l'Union soviétique, carrière de professeur de mathématiques et carrière de journaliste et écrivain. Écrivain, voilà. Ce qui, évidemment, dans quelque sorte, me causait des ennuis de la part de mes collègues littéraires, parce que beaucoup d'entre eux croyaient que pour faire littérature, je dois tout abandonner, comme impressionniste, dans le grenier, etc. Voilà. Et moi, j'avais une famille, activité scientifique, et en parallèle, j'écrivais. Donc, j'ai dû vivre avec, mais c'est à cause de mes activités littéraires, je me suis trouvé en Suisse par hasard, parce que j'ai, au début de la préhistoire, que j'étais engagé dans le journal Crocodile, où je travaillais, et j'ai publié des articles assez osés, je dirais. Et avec ça, il y avait plusieurs organisations, notamment PAMET, qui ont commencé de me poursuivre dans quelque sens, à tel point qu'on a eu peur pour nous et pour les enfants, et on a décidé de partir. Voilà. Donc, ça a toujours joué un grand rôle, mais évidemment, c'était toujours autopsychothérapie complètement pour moi, parce que toutes mes malheurs que je subis, et je subis pas mal, j'ai toujours m'exprimer sur les pages, et quand ça trouvait par hasard, réflexion ou compréhension, c'était le plus grand bonheur possible. Alors, excusez-moi, alors, quelle différence vous pouvez trouver entre l'éducation russe, Union soviétique et Suisse? Quelle différence? Donc, à l'Union soviétique, l'éducation était extrêmement, la base était bonne, mais les écoles étaient un grand empire. Donc, tout était très hétérogène. Il y avait des superbes écoles, mais il y avait dans les villages, les écoles n'avaient pas de professeurs qualifiés. Donc, pour les enfants doués, il n'y avait aucune possibilité de faire quoi que ce soit. Voilà. Mais à Moscou, à Leningrad, à Kiev, à Novosibirsk, il y avait des écoles superbes et parfois des professeurs excellents. La base de l'éducation était très bonne. L'importance était que les Russes toujours regardaient l'Occident avec un sens d'admiration, les soviétiques, je dirais, avec un sens d'admiration et de mépris, dans quelque sens. Nous sommes les meilleurs, notre palais c'est le meilleur, les règles sont les meilleurs, etc. Mais quand même, toujours admiration pour la culture occidentale. Et pour des ressortissants de bonnes écoles, pour les gens qui s'intéressaient, évidemment, on est grandi sur la littérature française, anglaise, germanique, etc., américaine, évidemment, beaucoup plus, nous connaissons beaucoup plus de la littérature occidentale que les occidentaux savent la littérature russe. C'est aucun doute. Donc, la grande culture générale, un petit peu classique, trop classique, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas du tout suivre leurs tendances très, très modernes. Il n'y avait pas d'Internet à l'époque, ni téléphone mobile. On pouvait suivre seulement par des rares livres qui pouvaient traverser le rideau de fer, pendant la guerre froide. Voilà. Mais quand même, tout ce qui concerne le classique, on ne pouvait suivre. Donc, c'était une très bonne éducation générale. Dans les sciences, expérimentation, c'était assez difficile parce que le pays était pauvre, il n'y avait pas de moyens de faire des bons labos, d'expérience, mais en ce qui concerne les sciences théoriques, type mathématiques, physique théorique, etc., bien sûr, l'éducation était superbe et ça montrait absolument les Russes qui émigraient trouvaient tout de suite du travail en Occident. Comme un exemple, je peux dire, quand je suis venu première fois en stage à MIT, Massachusetts Institute of Technology, j'ai vu un grand slogan là-bas.
C'est la meilleure université de l'Amérique et la meilleure université du monde. Ici, le professeur russe enseigne aux étudiants chinois. Voilà. Donc, c'est vrai, parce que c'était les professeurs russes qui sont partis de l'Empire soviétique au début des années 70, comme ça, voilà, et qui étaient de trop très bon niveau et enseignaient là-bas. Donc, je dois dire que l'éducation était. Moi, je suis très, très content. Malheureusement, je n'ai pas pu persuader mes enfants, même grands-enfants qui commençaient à l'Union soviétique, qu'il faut continuer là-dessus. Ils ont reçu l'éducation de l'Occident qui. Bien sûr, a beaucoup, beaucoup de plus, mais c'est assez spécialisé, assez étroit. Donc, voilà, je dirais, un bilan comme ça, complexe. Pouvez-vous imaginer votre vie dans autre pays, dans les États-Unis, par exemple, ou quelle différence vous pouvons imaginer avec votre vie et toutes les choses, quelle influence suisse fait pour votre vie? Particularité de ma vie en Suisse, vous voulez dire? D'accord. Oui, la Suisse est un pays spécial, ce n'est pas un pays d'émigration. Global, non. Il y avait beaucoup de vagues d'immigration, bien sûr, hein, en Suisse. Quand c'est très intéressant, si vous pouvez me donner une seconde, je donne une petite excursion historique. La Suisse, jusqu'à, disons, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, est un pays très pauvre. À tel point qu'énormément de Suisses sont partis ailleurs chercher du bonheur, en Amérique du Sud, en Russie, où ils faisaient des fromageries, produisaient du vin, des vignobles, etc. Ou bien se servaient comme soldats, c'était de très bons soldats, voilà, notamment dans les gardes du pape, n'est-ce pas, c'est que des Suisses. Voilà. Donc c'était un pays très très pauvre. Mais après la Première Guerre mondiale, avec l'installation de Société des Nations à Genève, avec neutralité suisse et l'afflux des banques dans les endroits sécurisés, d'accord, c'est devenu le pays a commencé à avoir vraiment le développement de l'économie. Et c'est ici que l'immigration a commencé. La première immigration a commencé après la Deuxième Guerre mondiale. Et les Suisses ont commencé à construire. Il n'y avait pas assez de maçons. Donc, les Italiens sont venus en masse, vraiment, parce que les Italiens, c'est très bons maçons, historiquement. Donc, c'était la première génération italiens, c'était très, ils se sont très très bien intégrés, en même temps gardant très très bien le lien avec leur patrie historique. Voilà. Après, dans les années 60 et 70, excusez-moi, en Suisse on dit 70 ou 70, donc c'était déjà les Espagnols et les Portugais qui sont venus parce qu'il y a une grande crise économique en Europe et la Suisse donnait beaucoup de postes de travail. Beaucoup de postes de travail, ils sont venus toujours avec une idée de gagner de l'argent et rentrer au pays. Et c'est vrai que le vieux faisait comme ça, les gens gagnaient de l'argent et à la retraite partaient chez eux, ou achetaient une villa au bout de la mer, etc. Mais leurs enfants déjà devenaient Suisses. Voilà. Donc, ou bien sûr, le fait qu'en Suisse, il y a 4 langues officielles, ça aussi jouait un grand rôle. Les gens pouvaient trouver quelque chose de plus facile. Après, il y avait une immigration, bien sûr, des francophones du Maghreb, quand il y avait les révolutions, soi-disant les changements de régime dans les pays du Maghreb en arabe. Donc, les gens étaient francophones, Maroc, Tunisie, Algérie. Donc, ils venaient en France ou en Suisse. Souvent, les jeunes venaient étudier, après, ils restaient. Donc, encore une fois, je dis que d'un côté, il y avait des migrations, mais du point de vue que les gens peuvent se trouver facilement en Suisse, comme en Amérique, au Canada, en Australie, non. C'est difficile. Tu viens ici, et puisque tu viens ici, tu dois respecter les droits de ce monastère, si je peux dire monastère. Voilà. Le pays est très bien organisé, je peux rien dire. Il y a très peu de corruption, surtout si je compare avec ma chère patrie. Tout est assez bureaucratique, peut-être pas
pas très chaleureux, mais les régions de la Suisse diffèrent l'une de l'autre. Par exemple, les régions de Suisse alémanique, c'est une région industrialisée, toute l'industrie, toutes les banques, etc. Tandis que les régions de Suisse francophone, c'est les cantons de Genève, Vaud, Valais, c'est plutôt tourisme, bon climat, des lacs, des montagnes, très peu d'industrie, et évidemment le fait que les Suisses alémaniques parle français beaucoup mieux que les Suisses francophones parlent allemand ou Schweizertusch, c'est le dialecte suisse de l'allemand qui est vraiment assez spécial et qui change d'une maison à l'autre. Mais quand même, les gens parlent. Voilà. Donc, il y a distribution. C'est très intéressant que puisque dans les pays, dans les régions germanophones, la mentalité est plutôt germanique. Les Russes, de nombreux Russes exilés en Suisse, ont choisi souvent les régions francophones ou les régions italiennes, bien qu'il y ait beaucoup moins de postes de travail là-bas que dans les régions germanophones, pour une simple raison, parce que quand même les francophones savent bien le goût de la vie, le goût de la vie, c'est le régime de la vie, c'est pas l'esprit germanique, d'esprit très, très, très protestant. Ici, les gens sont plus rigolent, ils boivent. Parfois, les rues ne sont pas du tout aussi propres à Genève qu'à Zurich, évidemment. Les gens ne roulent pas aussi prudemment. Et ça, aux Russes, bien sûr, c'était quand même un petit peu mieux, on peut respirer. Par exemple, une des mes plus grandes impressions quand je suis venu en 89 en Suisse, c'est qu'après Zurich, je suis promené dans une forêt. Et même dans cette forêt, tout était extrêmement propre, comme dans un hôpital. Rien par terre, pas une feuille par terre, tout était rangé. J'étais extrêmement impressionné avec ça. Mais ça aussi une des raisons pourquoi beaucoup de jeunes et les immigrés et même des jeunes Suisses disent que c'est quand tu es jeune, c'est très difficile à respirer ici. Ils veulent partir après les cours, après l'université, faire leur vie ailleurs. Après, peut-être, ils reviennent. Après, oui, mais la jeunesse, quand même, passer la jeunesse quelque part à New York, à Tel Aviv, à Sydney, c'est plus, je dirais, à São Paulo, plus joyeux, plus intéressant. Voilà. Voilà. Donc, c'est une ville, c'est, en un mot, ce n'est pas un pays d'immigration. Donc, il faut vraiment respecter le coutume local, le coutume local. Pas imposer ses propres règles. Ah, merci. Alors, nous revenons à votre œuvre littéraire. Dans quel genre littéraire vous préférez travailler? Ah oui. Donc, quand je suis venu en Suisse, j'ai commencé à écrire en français pour plusieurs raisons, parce que ce que j'écrivais, à mon avis, s'intéresserait pas du tout le public russe, français, soviétique, parce que moi j'ai raconté la Suisse aux Russes et la Russie aux Suisses. C'était mon idée, justement. Voilà, donc j'ai commencé à écrire en français. Aussi, un autre but était, dans quelque sens, être reconnu par ma nouvelle patrie, être reconnu par mon entourage, par mes nouveaux amis, etc., etc., finalement par mon épouse qui est suisse. Donc, c'était plusieurs buts. Voilà. Je ne peux pas dire que j'attends ce but. Le livre, surtout le premier, avait un bon, très bon succès, des ventes, des critiques, mais dire qu'être reconnu à ce point que c'était l'Union soviétique, non. Parce que le rôle des littéraires en Union soviétique, c'était quelque chose d'exceptionnel. Les littéraires, même quand ils n'étaient pas publiés, ils étaient assez connus. Quand ils étaient publiés, ils gagnaient des sommes énormes. Par exemple, l'Union soviétique, pour un petit livre que je publie, je pouvais vivre sans aucun travail, non, 4-5 ans. C'était des épreuves. Quand je publiais un article dans le Crocodile, c'était un article, petit article. C'était un salaire mensuel d'un professeur de l'université. C'était vraiment extrêmement bien payé.
Donc les gens pouvaient subsister. Et quand les gens étaient publiés dans les éditions populaires, type littérature, magazine, etc., ils étaient tout de suite extrêmement respectés et connus par le public. Le public, vraiment. Par exemple, Crocodile. Crocodile était connu comme Hebdo Charlie. Tout à fait. Alors, plus, oui. Parce que Charlie est lu par un petit spectre des gens, mais d'un coup, il est lu par des millions de gens. Voilà. Donc, c'était un autre rôle là-bas. Et vous savez, en Russie, l'écrivain a toujours joué un rôle dans quelque sens, d'un psychologue, d'un prophète. Vous vous souvenez très, très bien comment toute la population russe écrivait des lettres à Léo Tolstoï avec les demandes comment agir dans telle ou telle situation de la vie. Et Léo Tolstoï répondait. Ce qui est inimaginable en Occident. L'Occident, en écrivant, c'est un homme de lettres qui écrit des livres. Il y a peut-être des gens qui aiment son livre ou non, mais imaginez que les gens vont écrire pour poser des questions. Comment je dois agir dans telle ou telle situation, c'est inimaginable. Par exemple, en France et en Suisse, je sais qu'en Amérique, la même chose, la plupart des écrivains, même publiés, à part des quelques stars exceptions, sont en métier. Soit ils sont journalistes, soit ils enseignent l'anglais ou le français dans un collège quelque part et dans le temps libre écrit, soit ils ont simplement broqué quelque part et ils composent dans le temps libre. D'accord, mais les gens qui vivent sur l'activité littéraire, c'est vraiment des. En Suisse, pratiquement peut-être il y a une, deux personnes. En France, il y a une cinq, dix personnes, pas plus. Voilà. Et en Amérique aussi, pas énormément. Pas énormément de gens qui existent comme c'était le cas en Russie. Parce qu'en Russie, c'était vraiment, dans quelque sens, caste. Caste cultivée par le gouvernement parce que le gouvernement croyait que les écrivains sont, comme Staline disait, ingénieurs des âmes humaines, ingénieurs sur les styles douches. Et donc, il était contrôlé, mais aussi très, très encouragé. Donc, vous voyez, l'activité littéraire en Occident, c'est plutôt vraiment s'exprimer, mais de croire que tu deviens riche. Très, très connu comme une star de foot ou tennis, non, ça c'est assez naïf. Alors, selon vous, quel est le but de la vie? Hop! Vous savez, c'est très. Vous posez une question, comment dire, une question. Vous avez dit l'écrivain doit être un prophète. Alors, en Russie, oui. C'est au niveau des questions que vous expectez poser pour les prophètes. Oui, tout à fait. Donc, ça change énormément. Vous savez, cette idée de la vie, le but de la vie, ça change. Par exemple, quand j'étais en Russie, j'ai vécu dans une situation très difficile pour réussir, pour ne pas être battu, pour ne pas être à l'armée, pour entrer à l'université, pour avoir du travail, etc. Donc, on ne pensait pas énormément aux questions métaphysiques. D'accord? Le but était plutôt réussir un petit peu, avoir la famille, voilà, et bien sûr, une réussite au travail aussi. Voilà. Avec l'âge, tu comprends que quand même, les plus grandes valeurs, c'est la famille et les proches. Parce que même quand des très grandes personnes partent, vous savez très, très bien qu'au bout de quelques années, leur œuvre, oui, il y a des spécialistes qui pensent à leur œuvre, mais à ouais, eux, mais pas énormément. C'est toujours une grande énigme, une grande puzzle. Donc, pour moi, actuellement, c'est bien sûr la famille et les proches, et les enfants, les petits-enfants, etc., etc. D'accord? Mais oui, bien sûr, le métier, c'est très, très important. Je peux pas dire. Et si vous permettez, en réponse à ça, je vais citer un de mes poèmes, petit poème en russe. «Время камней. Уж собраны камни, и ворон кружит, ни меди в кармане, ни слова. Осталось гадать, что фортуна решит с наследством моим
бестолковым. Мечтать, как мгновенье однажды придет и будет повсюду открыто стоять в Википедиях имя мое, чьи рифмы давно позабыты. А может, напротив, в грядущие дни мир краской иной заиграет и станут цитировать строки мои, про автора не вспоминая. И выбора нет, выбирать обречен стихи и посмертная слава, и сохнуть от жажды над чистым ключом, подобно ослу Буриданову. Спасибо вам, планов, лихих громадье, за сказку, поросшую былью, за то, что утешили эго мое и Господа повеселили. Магнифик. Voilà, donc c'est dans quelque sens, c'est la réponse, une des réponses. Mais comme je vous ai dit, que tout le temps coule, tout coule, et ça change avec le temps. Ça change avec le temps. Serge, que regrettez-vous dans votre vie? Oh, je regrette énormément de choses, comme tout, nous tous. Je regrette, j'ai eu des mariages pas réussis et des rencontres pas réussies. Je regrette beaucoup avoir perdu plusieurs amis. Je regrette énormément ne pas être assez courageux dans les moments très, très difficiles de la vie. Voilà. Mais vous savez ce qui est intéressant, je suis sûr que pour vous c'est trivial, mais moi j'ai compris, vous savez, après beaucoup de douleurs et des épreuves, que quand même, si on commence à tourner les pages de la vie en arrière et dire j'aimerais bien échanger ça ou ça, comme on dit, histoire alternative, on voit très très bien que si je change des choses, si je change des choses, je perds aussi quelque chose dans la réalité. Nous, par exemple, vous avez un mariage malheureux, d'accord? Vous dites, ah, si j'étais jeune une fois, je ne ferais pas ça. Mais dans ce cas, vous n'auriez pas vos enfants de ce mariage que vous aimez. Vous voyez? Mariage de malheureux, mais les enfants, vous les aimez. D'accord? Et les autres choses, par exemple, vous voulez avoir un travail, vous êtes jeune, on vous refuse ce travail, on vous refuse, vous êtes très malheureux. Et après, beaucoup d'années plus tard, vous dites, mince, mais c'est justement grâce au fait qu'on m'a refusé ce travail, finalement, que j'ai trouvé le travail que j'ai maintenant, le travail que j'adore. Vous voyez? Donc, peut-être vraiment, le Dieu joue avec nous. Il nous donne les possibilités. On dit qu'on a libre choix, libre arbitre. Libre arbitre, mais en réalité, on est assez limité. On joue sur un couvercle. Donc, notre marge de manœuvre est assez limitée. Donc, dire que j'aimerais bien faire autrement, mais ça veut dire que je n'aurai pas ce que j'ai maintenant. Mais je regrette énormément. Je regrette énormément une chose, beaucoup, vraiment, que, vous savez, pendant la Révolution, une grande partie de ma famille sont partis quitter la Russie. Voilà, maintenant, ils sont partout dans le monde, notamment en Amérique, etc. Et je regrette beaucoup que ma grand-mère, de côté de mère, qui aurait pu partir avec eux, elle était restée en Russie parce qu'elle avait un amoureux. Elle ne voulait pas quitter son amoureux. Voilà, mais je dis que ah, moi, si j'étais né en Amérique ou en France, ça aurait été peut-être très intéressant. Voilà, mais en conf, je dis que dans ce cas, si ça réalise, j'aurais pas eu beaucoup de choses que j'ai maintenant. Donc moi je crois que quand même avec l'âge, je crois que tout ce qu'on a vécu dans la vie, ça sert à quelque chose, c'est utile. Et tout ça entre dans ce mosaïque qui devient ton chemin passé, voilà, chemin faisant, comme on dit. Voilà, donc je crois que ça, c'est mon réponse. Tout est utile. Bien plus souffrance. Selon vous, quel est votre travail le plus important? Dans le domaine des sciences, je fais plusieurs articles qui sont jusqu'à maintenant très, très bien cités. Je suis très fier de ces articles. Dans quel domaine? Mathématiques.
Voilà, donc très très bien, super. Deuxième, je suis très fier de mon activité comme pédagogue parce que j'ai développé de très très bonnes relations avec centaines de mes élèves avec qui je suis toujours dans de très très bonnes relations. Je souhaite de bonnes années, bon anniversaire, etc. Voilà, donc pédagogique aussi, j'adore littérature. Je suis très très heureux que je puisse faire quelque chose, petit, dans la marge de mon modeste don, mais quand même petit, mais qui ont trouvé une réplique dans le cœur des autres. J'ai reçu pas mal de répliques, pas seulement des critiques, mais des lecteurs. Et dans mes conférences que je donnais, littéraires, j'ai eu beaucoup de discussions très chaleureuses avec des lecteurs où ils ont compris, ils ont montré leur compréhension. Et bien sûr, je suis extrêmement fier du fait que Dieu m'a donné possibilité d'avoir beaucoup d'enfants. J'ai 6 enfants, voilà. Et bien que ils sont très différents, moi très différent, et peut-être ils regardent autrement, mais moi je suis très très fier de. Et je crois que peut-être les enfants, quand même, c'est mon plus grand exploit, le plus grand exploit. Alors, quels sont vos plans créatifs pour l'avenir? Mais j'écris toujours, j'écris beaucoup de poésie en russe. J'ai fini deux romans en anglais. Je n'ai pas encore trouvé l'éditeur. Je suis en train de chercher des sagas familiales. Sagas familiales, voilà. Donc, de temps en temps, quand les journaux locaux me demandent de faire des essais de journalisme pour eux. Voilà, donc ça, ce qui me préoccupe, et bien sûr, j'aimerais bien, vous savez, après l'âge de 40 ans, je remercie Dieu pour chaque bonne journée qu'il me donne, il m'a donné beaucoup, donc j'aimerais bien avoir encore quelques belles journées, en profiter, voilà, laisser après moi, surtout des souvenirs. Et si vous pouvez être tolérant, j'ose citer une chose justement à propos de ça. D'accord, si je cherche. Alors, Voilà. c'est une vraie histoire, pendant cette année, beaucoup de choses changeaient dans le monde depuis votre naissance et Oui. jusqu'à maintenant. C'est une vraie période historique Oui. et il était beaucoup de changements, beaucoup de évolutions de société, de pensée, du alors ce sera très intéressant à écrire cet souvenir et à publier ça parce que c'est à vrai dire, c'est un témoignage d'histoire très important parce que le témoignage, c'est un instrument très précieux pour assainir l'histoire, témoignage. Oui, absolument d'accord. Absolument. Donc, si vous permettez, je cite justement pour dire, ça s'appelle souvenir. Жизнь бесконечна, сроки наши краткие. Как ни крутись, но на исходе дня одни воспоминания в остатке, единственная собственность моя. Металл, что ни мехов, ни ожерелья, ни хлеба, ни лекарств, ни воды, ни табака, ни крыши, ни постели не купит, не укроет от беды, от лести вялой, дружеских наветов, навязанных и вожделенных пут, от яркой тьмы, зияющего света, воспоминаний, к счастью, не спасут. Вдову не обнадежат, гор не сдвинут, старения не знают и конца,
зато подобно драгоценным винам в цене растут по дням и по сердцам. Судьба взывала шепотом, набатом, но глух и слеп был к истинам благим, лишь тем богат, что раздарил когда-то и жив, покуда памятен другим. Жарой февральской, августом морозным, через мечты, эпохи и моря, воспоминания, как любовь и воздух, единственная собственность моя. Magnifique. Serge, vos œuvres ont été remarquées par la critique en France, en Allemagne, en Suisse, en Russe et aux États-Unis. Parlez de ce sujet de critique de votre travail. Oui, donc c'est vrai que mes livres, surtout le premier livre, malgré le fait que mon éditeur suisse n'a pas fait de marketing, mais il était remarqué par les critiques dans les plus grands journaux suisses, et après en France, les critiques ont écrit. Ils écrivaient parce que pour eux, c'était une voix assez fraîche, de l'humour plutôt russe-anglaise. L'humour russe est plus proche à l'humour anglais, parce que c'est plutôt plus philosophique. L'humour français, c'est plutôt jeu des mots. Voilà, les critiques disaient qu'ils aimaient bien le mot humour. Pour eux, c'était très intéressant le regard d'un Russe sur la Suisse, ainsi que le fait que le Russe a construit la Russie. Voilà, aussi un regard très critique, très frais. Certains gens ne comprenaient pas toute l'ironie de ce regard. Et bien sûr, les critiques disaient, j'étais très très fier du style. Style disait que, bien que je ne sais pas ma langue maternelle, mais j'ai élaboré quelques sortes de langues qui, essentiellement, aimable à lire, et correct, mais aimable à lire, bien qu'on voit tout de suite que c'est pas un vrai francophone. Voilà. Mais en tout cas, ça c'était des choses que les critiques remarquaient, et moi j'étais très très fier de ça. Bien sûr, puisque la Suisse est un petit pays, grâce aux articles de critiques, tout de suite les ventes étaient très très bonnes parce que les gens lisaient, demandaient des choses, des invitations dans les foires littéraires, dans les librairies, etc., etc. D'accord. Surtout on parlait de ce genre, au sujet de l'exil. Mais il y avait beaucoup beaucoup de regards critiques. Les gens qui ne comprenaient pas de l'humour disaient que comment un pauvre réfugié qui a vécu ici, dans un pays, peut critiquer le pays, etc. Donc ça c'était bien sûr des choses compliquées. Alors, j'ai une question provocante. Bien sûr, bien sûr. Que direz-vous à Dieu si vous le rencontrez? Oui, très très bien. Très bonne question, d'accord. Très bonne question. Ouais. Donc, si je rencontre Dieu, bien sûr, je veux dire que je le remercie énormément pour tout ce qu'il m'a donné, pour la possibilité de vivre, d'abord être né dans un pays sans guerre, pour ne pas énormément souffrir par rapport aux guerres, aux gens qui ont souffert pendant les guerres, ne pas avoir éducation, avoir possibilité de réjouir de la vie, avoir possibilité, avoir la famille, la bonne santé, et bien sûr avoir possibilité de des enfants. Donc, si vous permettez, encore une fois, je formule la réponse à ma question et dans un de mes poèmes. Ça s'appelle «Незавечное». Спасибо жизнь за все, за эту старость, где книги, звезды и заросший сад,
и память обо всем, что мне осталось. Январский зной, июльский снегопад, за завтрак, где смешлен, хотя и молод, и дням счастливым не видать конца, и дети юные, послушны снова, внимая знаку каждому отца, за прошлый поклон, за эту милость слова ценить не меньше, чем дела, за ту любовь, что, к счастью, не случилось, за ту, что прямо к счастью привела, за радость, что с бедой отделила ложа, за строки, что витали между строк, за лишний день, что всех был их дороже, фортуною подкинут на порог, за миг, что растянулся на два века, за лжи бальзам и откровений яд, там явь, как сон, там ночь, фонарь, аптека, там книги, звезды и заросший сад. Так, вы можете писать. Merci beaucoup pour votre créativité, pour votre sincérité. Merci bien. Alors, à prochaine rencontre. D'accord. Merci énormément. J'étais très, très honoré d'avoir parlé avec vous. Voilà, surtout, oui, on utilisait la langue de Molière, bien qu'avec nos accents russes, mais quand même, on est très sincère là-dessus. Je vous remercie beaucoup. Voilà, et donc j'espère beaucoup vous voir bientôt. Merci. Au revoir.